Bonjour, c'est Nicolas Debourg de Debourg Vin et Dégustation. Si vous avez atterri sur cette page, c'est que vous avez cliqué sur le lien pour découvrir La Séductrice. La Séductrice, qu'est-ce que c'est ? C'est un vin rouge qui nous vient du Languedoc-Roussillon. Donc nous sommes à Malviès, entre Carcassonne et Limoux. Nous sommes au domaine de la Louvière, géré par Corinne Bott et Jemaris, et le domaine appartient à la famille Grohe depuis 1992. Donc la particularité de ce vin, c'est surtout son appellation. Son appellation, c'est l'AOP Malepère. Malepère qui veut dire Malapera. Malepera qui veut dire mauvaise pierre. Pourquoi mauvaise pierre ? Tout simplement, c'est à l'époque on avait cette pierre et on ne pouvait pas construire de maison avec parce qu'elle est friable et qu'elle se gorge facilement d'eau. Donc qu'est-ce qu'on faisait ? On prenait la pierre et on la balançait dans le jardin. Et la vigne, elle, en était très friande. Pourquoi ? Parce que le fait qu'elle soit friable, ça permet aux racines de la vigne de pouvoir manger tous ces bons petits nutriments et oligoéléments que referme cette pierre et tous les minéraux. Et l'eau, bien sûr, cette pierre va garder l'eau et la vigne va pouvoir s'en nourrir. Donc cette appellation Malepère, c'est une toute petite appellation méconnue du Languedoc. J'ai choisi ce vin parce que déjà on est sur ces trois cépages de la Malepère qui sont Malbec, Cabernet Franc, Merlot. Ces trois cépages sont des cépages qu'on peut considérer du sud-ouest, donc des cépages assez chauds, mais avec les vents atlantiques, méditerranéens et pyrénéens que nous offre le beau terroir du domaine de la Louvière, on va avoir un raisin qui va quand même prendre pas mal de fraîcheur et éviter d'aller sur des degrés d'alcool qui seraient un peu trop hauts. C'est un vin qui a mérité d'aller dans du fût de chêne, donc il est sublimé par le chêne. Voilà, on n'a pas ce goût de bois dans le jus, un peu trop présent. Justement, il y a un très bel équilibre, c'est pour ça que je parle de sublimé. Donc ce côté profond et fruits noirs chaleureux du sud-ouest va nous permettre de faire un très bel accord sur tous les chocolats pralinés du coffret de Bourg Prestige. Je l'ai choisi pour son élégance et sa profondeur. Si vous êtes gourmand de vin profond, chaleureux, mais en même temps on garde de la fraîcheur, c'est le vin idéal pour vous. Donc je vous conseille de choisir La Séductrice. On se retrouve pour vous présenter les crémants et la blanquette et je vous dis à très bientôt. Au revoir.